Merci pour vos lumières. Toda la Horot. Sommes-nous dans la guerre de Gog ou Magog? Est-ce que le Mashiach est en Israël? Si oui, parle-t-il toute langue du monde? Shtei shelot. Haim anachnu nimtzaim bemilchemet Gog ou Magog arshav? Vehaim Mashiach nimtza beret Israël? Vehim ken? Haim umdaber kol asafot? אז משיח, הוא ודאי יודע את כל השפות, ודאי. למשיח, זה סור כי קונה תות ללונג? זה כתוב שבזמן שהיה הסדרין, אז מי שהדיינים שבסדרין, הם צריכים לדעת 70 שפות. C'est écrit que du temps du Sanhedrin, du grand tribunal, les juges de ce grand tribunal qu'on appelle Sanhedrin, devaient connaître 70 langues. Parce qu'ils ne peuvent pas juger quelqu'un qui parle français, par exemple, et qui passe par un traducteur. Ils ne peuvent pas le juger. C'est pas juste. C'est pas, la traduction n'est pas... Et c'est sûr que le Mashiach connaîtra toutes les langues. Par rapport à la guerre de Gog et Magog, on a déjà vécu plein de Gog et Magog. Il y en a même qui disent que le simple fait qu'il y ait de la discorde entre les rabbanim, c'est ça, la guerre de Gog et Magog. Le pauvre un homme, maintenant, il s'est embrouillé l'esprit. Il se met à parler sur des rabbanim, je préserve. Celui qui est mon ami, il n'a pas de guerre de Gog et Magog. Moi, j'apprends tout le monde. Aimer tout le monde. De parler sur personne. Et de servir Hachem. C'est sûr que le Rav dit c'est obligé, c'est pas que maintenant, c'est obligé que le Mashiach. C'est obligé que le Mashiach soit tout le temps présent dans le monde. Même avant qu'on ait la terre d'Israël, il y a toujours eu la présence du Mashiach. Rabbi Nachman Bar Yosef, il a dit de son temps que son fils, qui s'appelait Shlomo Ephraim, il a dit que c'était lui le Mashiach. Quand il est mort, il a dit maintenant ça va être repoussé de beaucoup d'années l'avenir du Mashiach. Pourquoi c'est obligé que le Mashiach soit tout en présent? C'est écrit dans l'écouté Maran parce que c'est écrit dans l'écouté Maran que chaque jour est prêt pour recevoir la délivrance finale. Nous on dit, j'ai la foi. J'ai la foi, une foi parfaite, en la vie du Mashiach, et chaque jour je l'attendrai. Comme ça on dit. C'est sûr que chaque jour le Mashiach peut venir. Mais ça c'est quelque chose qui dépend uniquement du Créateur de l'univers. Son nom soit loué. Mais ton Mashiach personnel, individuel, à toi, monsieur ou madame, ça dépend de ton travail.